Aujourd'hui, nous avons inauguré la rue Alioune Fall, tirailleur sénégalais. C'était un moment émouvant, puisqu'il était important pour nous de pouvoir mettre en lumière les libérateurs qu'ont été les tirailleurs sénégalais. Et il y a toute une histoire qui s'est écrite par rapport à ça, et par rapport à Albertville, et par rapport à la Savoie. Donc voilà, on est content aujourd'hui et très ému d'avoir pu faire cette inauguration. En fait, je suis allé à la rencontre des derniers survivants sénégalais de la Seconde Guerre mondiale, donc pour récolter en fait leur mémoire, écouter leurs témoignages, et voilà, et pouvoir témoigner dans le livre, dans le film et dans les projets pédagogiques de tout ça, quoi. Et de là, on a choisi entre de son reportage, il y avait plusieurs noms de tirailleurs sénégalais qu'il avait rencontrés. Et on a choisi donc celui, on a hésité entre deux surtout, mais on a choisi Alioune Fall parce qu'il était venu en Savoie, recruté pour le blanchiment des troupes à la fin de la guerre, et qu'il avait aussi des marraines en Savoie. Bah ouais, comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'au moment de ce qu'on a appelé le blanchiment des troupes, c'est-à-dire quand juste avant la libération, en fait, ceux qui avaient débarqué en Provence dans la 9e division d'infanterie coloniale ont été retirés des troupes, en fait, ont été rapatriés dans le sud de la France. On a appelé ça le blanchiment des troupes. En échange, en fait, des soldats blancs sont venus. Lui, Alioune Fall, a été amené à faire du recrutement en Savoie et en Haute-Savoie. Donc, il est resté là dans les deux départements pour convaincre des FFI ou des soldats blancs de poursuivre la guerre. Et après ça encore, il est encore resté là parce qu'il avait plusieurs marraines de guerre ici, et il a passé plusieurs mois de sa vie dans le département avant de pouvoir rentrer au Sénégal. Oui, vraiment fier parce que déjà c'est une chance de donner à des lycéens cette opportunité de choisir le nom d'une rue. C'est aussi un important devoir de mémoire et de retrouver la vérité dans le passé. J'ai vraiment trouvé ça important. Et du coup, après, en fait, le projet final, on a dû le présenter devant la mairie lors d'un conseil municipal. Donc c'est vrai que comme on n'était pas tous dans les mêmes classes, c'était compliqué, et donc on a étalé les rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup appris aussi, je pense, parce que c'est une histoire qu'on n'apprend pas en cours forcément. Et moi, encore aujourd'hui, je m'en souviens et je sais que j'ai adoré faire ce projet. Le fait de reconnaître ces tirailleurs sénégalais et de les honorer au travers d'Alioune Fall à Albertville est très important, puisque effectivement ils ont contribué à libérer la France, et il était important, à la demande notamment du président de la République il y a 2 ans, de mettre en lumière et en hommage et d'honorer les bataillons qui ont été les bataillons de tirailleurs sénégalais.